4 janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée pour que leurs cartouches d'encre à eux ne soient plus jamais vidées. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs, célébrités, anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression contre l'obscurantisme avec honneur et insolence. À nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir. Si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir. Puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie.